Si vous passez souvent à côté de la porte Saint-Martin, eh bien restez attentif car sur la place se trouve une porte qui renferme de nombreux secrets. Là-bas, il y a une porte. Est-ce que vous savez ce qui se cache derrière? Un bar caché? Non. C'est des catacombes, non? Et des gens qui sont enfermés? Non. Une ancienne station de métro. Exactement. Il s'agit en effet de la station cachée Saint-Martin, située à 100 mètres des arrêts République et Strasbourg-Saint-Denis. Ce qu'on entend, c'est le métro qui passe. Mais il ne s'arrête pas. On a des lignes 8 et des lignes 9 qui sont superposées les unes contre l'autre. Et là, on va où, du coup? Là, on va faire une correspondance. On va descendre sur les quais de la ligne 9 cette fois. Heureusement que je suis pas tout seul parce que ce serait un peu flippant sinon. Il y a quoi derrière cette porte du coup? Derrière cette porte se trouvent les quais de la ligne 9 et contrairement à ceux de la ligne 8, il n'est pas muré. Donc on va moins être sur un quai en exploitation. C'est Fort Boyard le bail. Ici on se situe entre Strasbourg-Saint-Denis et République. Waouh! C'est vraiment un truc de ouf. Vous pensez qu'ils nous ont vus? Non, en fait, la plupart des voyageurs ne se doutent même pas qu'il y a une station pour eux, c'est un tunnel. Ici, on se retrouve devant l'ancien bureau du chef de station. Alors, il faut imaginer qu'il y avait un agent du métro qui était à l'intérieur. Et en fait, c'était le responsable de la station, donc c'est lui qui donnait les départs des trains, qui veillait à la montée et à la descente des voyageurs. Il faut savoir qu'il y avait une présence humaine sur les quais pendant très longtemps dans le métro. Vous avez vérifié qu'il n'y avait pas des fantômes ou des esprits de la RATP dedans? Pour l'instant, on les appelle stations fantômes, mais on n'a pas encore croisé de fantômes. Parfois, il peut y avoir des bruits inquiétants, effectivement, mais... Alors cette station a eu une durée de vie très courte, hein. Elle a été ouverte au début des années 30. Elle a fermé en 1939 en raison de la mobilisation du personnel. Effectivement, elle était beaucoup trop proche de Strasbourg-Saint-Denis ou République, il y a à peine 100 mètres entre les deux stations. La raison pour laquelle on a créé des stations si proches à l'époque, c'est que le réseau de métro était concurrent du réseau de bus et de tramway. Et donc il fallait attirer les clients de surface pour les amener en souterrain. Donc là on est où là? Ici, on est sur les quais de la ligne 8 de Saint-Martin. D'ailleurs, on voit encore le nom de la station. La particularité de ces quais, c'est qu'ils ont été murés dans le courant des années 90 pour créer des petits box, pour faire un petit dortoir pour accueillir des personnes sans abri à l'époque. C'était pas très confortable, donc ça n'a pas duré très longtemps. Et donc, on a préféré abandonner cette solution. Enfin, là, ne pas toucher les mains. C'est là. Hop, oh, merde. Ce qu'on voit ici, ce sont des restes d'une ancienne exposition publicitaire faite à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, proposant une originalité aux annonceurs d'avoir des pubs permanentes. On les proposait en céramique et donc ça permet de créer ces pubs en 3D. Et ces publicités sont là depuis 1950. Ça n'a pas bougé, c'est vraiment dans son état.